vous voyez les choses? C'est-à-dire que ça paraît délicat que le problème sera réglé. Il peut être réglé un certain temps, puisqu'on a des produits qui vont être quand même dispersés dans l'établissement, qui devraient avoir une efficacité sur plusieurs semaines. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas une désinsectisation de tous les foyers aux alentours, le problème risque de se répéter au sein du collège, puisque d'autres punaises de lit risquent d'être amenées, que ce soit par du personnel, par des familles d'élèves, etc. Parce que c'est ce que vous m'expliquez, ça rend le problème compliqué. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une généralisation aussi de cette forme d'épidémie finalement. C'est un insecte parasite, donc il peut rentrer chez n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit dans les transports en commun, pendant nos vacances. Et après, il suffit qu'on ramène ça dans un sac dans l'établissement et c'est reparti. Ça va très très vite et elle se reproduit très vite, les punaises de lit. Donc oui, le problème risque de se reproduire à plus ou moins long terme. Oui, c'était. Je vois pas comment on aurait pu continuer dans ces conditions, parce que là, on risquait la contamination évidemment des élèves qui n'ont pas ça chez eux, des personnels aussi. Donc, il n'y avait pas d'autre solution qu'effectivement d'arrêter, de fermer le collège.